Comment vous êtes-vous senti dans le rôle du maître de cérémonie de cette soirée? Danny Briand, j'adorais les shows de Sinatra, Dean Martin et Sacha Distel. On est aux Folies Bergères et en plus, avec un vrai orchestre. On m'a dit qu'il semblait que j'avais fait ça toute ma vie. Avec le public en face de moi, j'ai en fait oublié les caméras. Comment l'idée de cette émission est-elle née? Si est-il la production et la chaîne qui me l'ont proposé? À la disparition de Charles Aznavour, il n'y avait pas eu de grande émission, comme pour la mort de Johnny Hallyday. Il fallait faire quelque chose. Quel lien entreteniez-vous avec Aznavour? Je l'avais rencontré il y a presque 30 ans à l'occasion d'un hommage à Charles Trenet à Montreux. En 2006, avec lui et Jacques Chirac, je suis allé en Arménie. Pour ses 80 ans à l'Opéra de Paris, j'étais là. Il m'avait pris sous son aile. Il n'était pas jaloux de la jeune génération. Sur votre nouvel album, Danny Briand chante Aznavour en duo, on trouve le nom de Laurent Gérard. Pourquoi lui? Laurent Gérard était ami avec Charles. Et quand vous le faites chanter, il ne vient jamais tout seul. Par sa voix, même Cabrel chante Aznavour. La fille d'Aznavour, Katia, chante sur l'album, de même que Franck Dubosc, Antoine Duléry et Nico Aliagas. Ont-ils été faciles à embarquer dans l'aventure? Katia Aznavour a toujours refusé de participer à quoi que ce soit depuis la disparition de Charles. Duléry et Dubosc, je les connais depuis les Trois Maillets, un cabaret parisien, note de la rédaction, et le cours Florent. Nico, lui, m'avait invité dans 50 Inside, où il m'avait demandé de chanter la mama. Il avait chanté avec moi et c'était plutôt bien, d'ailleurs. Votre succès ne se dément pas. Comment expliquer cet engouement pour le style de chanson que vous interprétez? Même si je ne passe pas partout à la radio comme d'autres, j'ai un registre musical qui tient. Je reprends à ma sauce la musique d'hier, car il faut toujours honorer le passé. Je suis un chanteur néo-vintage. Le jeune homme que j'étais il y a 20 ans voulait déjà faire ça. Le swing, le jazz, la musique latino, si est-il une source de joie de vivre et de vitalité. Vos enfants ont-ils eux aussi une passion pour la musique? Ma fille Léa ne veut pas être chanteuse. Mon fils Lino, lui, s'est mis au saxo. Je leur déconseille de toute façon de suivre cette voie car si est-il un métier difficile, qui demande une vraie passion. Loading DJ.